Salut le chat! Comment est-ce que ça va aujourd'hui? Bon, on a du taf aujourd'hui hein, sur le jeu. Si je me souviens bien, le mercato va commencer. Et on a un match contre les seconds, il faut les écraser complètement. Parce qu'ils nous avaient fait 3-2 à l'aller, donc il faudrait qu'on gagne le match à domicile. Et celui qui est là, qui arrive là, oui, il faut donc complètement les écraser et qu'on gagne tout. Alors, si vous étiez là il y a 5 minutes, j'ai tourné quelque chose. Donnez mon avis sur l'actualité actuelle du monde. Malheureusement, mon micro était mal réglé. Et je pense que c'était le cas lors du précédent stream aussi. Donc tant pis, c'est pas grave. De toute façon, le précédent stream, c'était Warzone. Si ça a été entendu à la fin de la mini-vidéo que j'ai fait tout à l'heure, Warzone n'en aura pas de la semaine, peut-être même la semaine prochaine non plus, à cause des infos actuelles. Donc voilà. Et puis voilà. On fera autre chose à la place de Warzone, hein. On verra demain, c'est demain normalement. Et ouais. On sera bon demain, non? Si vous avez des idées, vous pouvez me les donner dans le chat, c'est pas un souci. J'ai quelques jeux que je peux vous proposer. Allez! On est parti! Let's go! Donc oui, on en était à 30 points, 27 pour Lynxkille qui est notre prochain adversaire à domicile. Donc ça nous va. On n'a personne qui est indisponible, ce qui est encore mieux, on n'a pas de suspendu, pas de blessé. On est à la fin de la semaine d'entraînement là, donc il n'y aura pas de... À moins d'une catastrophe nucléaire, il n'y aura pas de blessure. Donc du coup, on aura tout le monde. Et ça, c'est un bon point. Désolé, je rebranchais quelque chose. Donc, oui. Ah oui, ok. Il veut un peu plus de temps que je... Ok, bon. T'es quoi, toi? T'es bon, prospect, non? Peut-être. Parce que je peux peut-être inverser pour le restant de la saison. Hein. Hey, squad player? Bah, ça va. Le problème, c'est qu'il met les buts. Alors, je sais pas trop... Allez, sur les 5 prochains matchs, on va le tenter. On va le mettre en pointe, en titulaire, on va voir. Sur les 5 prochains matchs. Ah, donc sur les matchs du stream d'aujourd'hui. Et donc voilà. Si vous avez des questions, faut vous poser sur le chat, y'a pas de soucis. Alors je rappelle qu'on est en 3ème div suédoise. Qu'on vient juste d'être promu de la 4ème. À la fin d'une saison assez invraisemblable sur la saison dernière en fait. Et que là on est sur du comment ça s'appelle, l'objectif de la saison, c'est d'être mi-tableau.
ou plus. Donc 8ème ou plus, et pour l'instant on est premier à jouer après la promotion, normalement. Défense, je crois, il manque des défenseurs. Oups, j'aurais dû repasser sur assertif, whatever. Si je parle pas beaucoup, j'essaye de le dire et puis de donner la bonne réponse. D'ailleurs, c'est pas nous la surprise story de la saison. Si, sûrement, mais l'autre équipe qui m'a cité, c'est pour les mauvaises raisons. Nous, c'est pour les bonnes. Et qu'on outperforme à peu près tout le monde dans le championnat. Donc, c'est pour ça que c'est ma surprise surtout. Non. Back. La question c'est quel côté parce que physiquement c'est bon. Il est à gauche. Est-ce qu'il me faut quelqu'un à gauche? C'est ça la question. Je pense que oui, de toute façon il va me falloir à gauche et à droite. Parce qu'on va pas garder Bouzaïen à dominer. Même s'il fait des bonnes rentrées ou des bons bouts de match, on va pas le garder. Je pense pas. Ouais, faut jouer sur... Oups, pas de dynamique sur squad. Donc on a Ramon qui peut jouer partout. Alors lui, pas terrible. En centre. Alors Bouzaïen, j'avais dit. Ça serait plus ouais, à gauche effectivement, donc peut-être considérer celui-ci. C'est quoi ce stat? Ah, un bon long throw, ça va. Il a 7 en passe par contre. Et 24 ans. Ouais, physiquement il est pas mauvais hein. 13 en natural fitness, il a encore un peu de temps hein. Le problème c'est qu'il progressera pas quoi. Ouais, tu vas me dire mes joueurs progressent pas tout le temps mais... C'est juste le joueur qui vient me voir, il a tout à 10. Ce qui est limite ce que je cherche, mais bon là, fais voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ça peut être un bon tirage de corner.
Bon, long shot. J'ai un billet de terrain, malheureusement. Oui, oui, bah, tu vas l'avoir, t'inquiète pas, ça va. Donc voilà, donc on va tester but 20 sur ce stream, hein. On va lui faire 5 matchs. Il jouera un peu, peut-être qu'il va drop, hein, un petit peu ses concerns au bout de 2 matchs, qui sait. Et donc voilà, bon il fait beau ici, plutôt beau ici, il va falloir que je fasse un petit peu de taf sur mes échecs, parce que j'ai mon opening que je veux jouer mais il faudrait que j'apprenne à peu près correctement, et puis voilà quoi. J'espère que vous aimez bien la musique. J'aime bien. Ah, le match va commencer. Je vais devoir faire AX6 pour faire l'enregistrement. Bon, on est parti. Match de ce stream, le premier versus le deuxième, nous versus Young Skilleux, victoire impérative évidemment. On va y aller avec Buck 20 en pointe parce qu'il veut un peu de temps de jeu, donc on va lui donner un peu de temps de jeu. Vous allez le voir démarrer les matchs sur le stream, donc ouais, il aura 5 matchs pour m'impressionner, me faire dire ouais, bon. Là c'est bon, mais ouais. On peut jouer avec Big 20 pour un Let's go. C'est le moment de nous montrer Rome la Lyon Skilleux. La victoire et on est premier. Il faut faire une victoire par plus d'un but d'écart. Hein. Oh la longue balle. Aïe, l'autre qui perd la balle, allez c'est parti. 3 minutes but. Non, ça va, le gardien me le sort. Mais ouais, allez, il faut à tout prix gagner ce match. On n'a pas le choix. Normalement, si on veut garder la première place, alors... Je disais, c'est pas l'objectif de la saison, mais si on peut avoir la première place, pourquoi pas. Au moins on aura fini top moitié. Petite passe de Bugva pour Seger. Et chercher Sandstrom qui perd la balle, qui la récupère, c'est très bien, qui frappe et la rayon gardien. Donc oui. Joli ça, dommage, y'a personne au centre, ça suit pas. Oh, oh c'est revenu sur Sandstrom qui a tenté. Pas de chance. On va leur demander d'être créatif. Deux tirs de cadré, il se passe pas grand chose, hein, tout de suite. Faire la sieste. Bon, le match est pas intéressant. Hein. Il se passe rien.
Bah dis donc, on va prendre un but là-dessus. Non. Ah, les deux gardiens font leur match par contre, ça faut pas leur reprocher. Ah, les deux gardiens font leur match. Hein. Le gardien adverse a sorti une balle tout à l'heure. Là, notre gardien a sorti une balle aussi. Ils font le match. On va pas leur enlever. Bon, Alm, par contre, il va falloir qu'il se calme sur ses tacles. Je lui dirai à la mi-temps. Je lui dirai de se calmer et en plus de. Je lui dirai de pas s'engager. Non, wait. You. Stop it avec le calme. Ok. Donc on a dit Alm. Let's go. Ouais. 45 minutes pour marquer ce vilain but qui nous manque là. Là là, ils arrivent à passer. Regarde ça, regarde le truc qui est au centre. Ah bah oui, forcément. Oh, joli le gardien. Et au-dessus. Bon, par contre, là, on va demander plus. Hein. Pas leur dire d'être plus créatif. On va juste leur demander plus parce qu'on les voit pas. Là. On ne voit pas. Là. Ça dort. Bah, il est où mon but, là? Je veux au moins mettre un 0, quoi. Je veux au moins voir un but chez nous. Eh ben voilà, suffisait de demander. Voilà, on mène 1-0. Alors j'ai pas calmé le jeu parce que bah, pour la diff particulière, il faudrait qu'on gagne 2-0 par 1. Pour être à l'abri complètement. Ah, continue à pousser. Hein. On n'a pas le choix. Allez, continuez les gars. On continue comme ça et on finit le match tranquillement. On se laisse glisser. Bon, plus que 20, tu fais 6,4. Tu fais pas grand chose là. T'as voulu jouer. C'est pas terrible. Hein. Merde, j'ai pas sorti la bonne personne. Hop. Quoi bon. Bon, plus que 20, tu sors. Les autres font leur match. Ah, je vais sortir Alm pour éviter le rouge, pour être sûr. Mais ouais, on va pas. Non, on mène, mais. On mène, et le problème, c'est que voilà. Quoi. Il nous manque ce but, ce 2-0 là. Et gardien encore, hein, non? Non, sorti de but, il l'a mis au-dessus. Scoog fait pas un match terrible aussi. Là, je suis rentré à droite là-bas. Hop là. On va continuer, mais bon. On va demander de faire un peu plus, mais on n'ira pas plus loin, je pense. Bon, on a remis les pendules à zéro, du coup. Et vous 3-2, on a fait 1-0. Différence particulière plus 0. Donc normalement on devrait pouvoir rester devant eux. Et voilà. Victoire 1-0, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire plus.
Du coup, bah, plus 4 en points, ce qui est étrange. S'il y avait 3... Ah, c'est Curse Chrono, pardon. D'accord. C'est pas la même équipe. Je suis derrière, mais plus 4, c'est déjà bien. Bon, lui, Philo, on les a relégués un peu derrière. Thorn et Curse Chrono, me semble qu'on les avait gagnés à l'aller, donc tout va bien. Pour l'instant. Tant qu'on perd pas leur match, les matchs retour contre eux, tout va bien. D'ailleurs, ils sont quand en Thorn, ça va pas tarder. On va être sur Oscar Shams à la fin du stream, je pense. Attends, ah oui, c'est vrai, Curse Chrono, c'est les derniers matchs de la saison. Ou bien on leur avait mis à l'aller. Et est-ce que c'était à domicile? Ils sont où, là? Ah, on avait mis 15-0 à domicile. Ah, bon, faudra faire attention. Tant, on a gagné 2-0 à l'aller, donc ça devrait passer, j'espère. Mais ouais, faudra faire très attention. Donc nos deux poursuivants les plus près, il va falloir faire très attention. Ça va être très drôle, je pense. Ah d'accord, Oscar Shams, ils sont peut-être en ballon. De Link Ping par contre. Waouh, 5 points. Ouch. Et donc du coup, ouais, voilà. Eh. 1-0, victoire. Parfait. Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ah, merde. Ok. J'ai fait start des matchs au début de la saison. Je me fais de la bouse. Alors. Mais bon, laisse jouer les autres un peu. Toi, je te ferais peut-être jouer un petit peu en remplaçant, mais... Laisse-les tranquilles, ceux qui jouent, parce que ceux qui jouent me font des bonnes perfs, en général. David Burub, ouais. T'es free à la fin de la saison, là? Parce que nous, on a pas d'argent, on peut pas... Ouais, mais on a dit on avait trop de milieu de terrain. Après, il faudrait comparer à certains milieux de terrain. Il est pas trop bon, mais 20 ans, il a encore le temps de progresser. S'en fiche. Tu vois, oui, effectivement. 10, il est un peu long. Mais... C'est régulier, bon, c'est normal. Marking. Vraiment, il est pas défensif. On s'en fiche qu'il soit pas bon en marquage. Effectivement, 2 en flair, ouf. Après, il est pas si mauvais que ça, il y a des bonnes passes, c'est un bon work rate, il n'y a pas de vision de jeu. Si je vais sur quelqu'un, un milieu de terrain, n'importe lequel, je vais sur training. Qu'il va y avoir un truc. On s'en fiche, je sais pas.
GTA Valence, ouais, c'est juste agilité et Valence. Ouais, y a rien qui... Y a rien qui augmente le flair, en fait. Donc si le joueur est à 2, il sera à 2. Ouais, donc il... On s'en fiche un peu, ils peuvent bien le prendre. En plus, c'est pour la réserve. Donc... Ça va être intéressant de le prendre, même si, bon, pour la réserve, pour notre réserve à nous, ça serait sympa, mais... Je regarde pas pour la réserve, bon, je regarde pour l'équipe première. Je vois un joueur qui est pas forcément mauvais, mais qui est pas bon parce qu'il a pas la vision du jeu, mais ça on peut le faire travailler. Et pas de flair réellement, pas de... comment dire... qui est pas flamboyant, qui joue pas exactement... voilà, et qui apparemment poserait problème contre des équipes un peu plus expérimentées, bah... ça va être compliqué de jouer avec ce joueur là, même si bon il est pas mauvais hein, j'ai pas le contraire, mais ça va pas être simple, voilà. Vraiment, on va... ah oui, peut-être parce que je l'avais demandé moi. Je vois pas pourquoi il m'enverrait un scouting de Godborg. Je vais peut-être demander un scout sur Godborg parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de match hein, quand on... On n'est pas encore dans la bonne ligue pour jouer contre eux. Ce sera mieux quand on sera au moins semi-pro, qui aura tout ouvert, qu'on aura toutes les cases de dispo pour les entraînements. Excepté les dernières, mais sans en fiche. Sachant que j'en ai deux et que c'est tous les jours, ça sera déjà bien mieux. Donc oui, voilà. Si on peut continuer notre marche en avant, alors les matchs sont pas évidents par moment, mais c'est normal, on jouait contre le deuxième. Deuxième qu'on avait gagné et qu'on avait perdu 3-2 à l'aller chez eux, donc pas forcément simple de gagner un match comme ça. Sachant qu'on nous attend deuxième normalement, il me semble. Je me souviens bien la projection des médias. Et que je crois que c'est eux d'ailleurs qui devraient être devant nous, donc. Tant qu'on tient le. Tant qu'on tient la bonne séquence, on est bon, hein. C'est pas. Tant qu'on perd pas. J'ai déjà dit 25 fois, t'as Lundqvist par exemple qui peut jouer tranquille. Helm c'est la même. Buzayen joue pas donc tu peux jouer. Ouais mais il est déjà de l'autre côté. Ok d'accord. Est-ce que tu aurais un défenseur central du coup? Ouais, Frisk qui est sur le banc, go. Okay. Après le reste peut jouer parce qu'ils en ont besoin. Mais pas les joueurs qui ont déjà joué quoi.
Parce que sinon il va y avoir des blessés. Parce qu'il va être trop fatigué. Après ils seront pas disponibles pour la lutte pour le match de Lugren. Donc je préfère qu'il fasse rentrer Alas dans la fin du match plutôt qu'il le fasse jouer 20 minutes et qu'il le fasse sortir. Comme ça s'il peut ne pas le faire rentrer, c'est encore mieux. Même s'il va pas forcément me servir actuellement. Mais... La bonne question, ça serait est-ce qu'on est capable de jouer à deux devant avec Bugva et Alas sans changer de tactique réellement. Ça aurait peut-être été intéressant d'essayer de trouver. Et ouais. Passer la fin du match contre machin. Ouais, bah ça c'est normal, parce que j'ai pas fait ça. Passer la fin du match contre. Comment il s'appelle ? Lunskilo tout à l'heure, passer avec deux attaquants avec Bugva légèrement en retrait. De Alas. Ça aurait pu être sympa d'avoir un attaquant de pivot derrière qui fait des passes. J'ai juste pas pensé. Mais bon. On verra bien, hein, 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 hein. Comme je disais, demain on va peut-être jouer à autre chose. J'ai des jeux que... Oh, c'est même sûr qu'on va jouer à autre chose. J'ai des jeux que j'ai achetés que je voudrais... auxquels je voudrais jouer. Pourquoi pas les faire en stream? Why not? Genre j'ai Super Meat Boy par exemple, là. Voilà. J'ai aussi genre Sonic Mania, Sonic Generation, même si Sonic Generation c'est à peu près fini. Déjà. À la réserve qu'on a plus rien à faire, je pense. Et qu'il doit être juste à zéro. Mais bon, tant mieux. Mais oui, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, pour demain. On verra. À mon envie, mais c'est sûr que ça sera pas Warzone. Déjà il m'a saoulé la semaine dernière et puis en plus voilà, hein. Il y a des événements politico monde qui donc les jeux de guerre j'ai pas trop envie d'y jouer, ouais. Ça fera un petit break pour Warzone, c'est bien aussi. Après si je peux passer la mission tranquillement, ouais, mais à mon avis ça sera pas faisable. Vu qu'on est déjà en attente de production de troupes, ça va être compliqué. Bref, tout ça pour dire que oui, demain ça sera autre chose. Même si ça plaît pas, ça sera autre chose. Voilà. Je regarde les jeux que j'ai, ceux que je peux stream. Voilà. Sachant que normalement jeudi je bouge pas, je reste sur City Skyline, auquel j'ai pas joué sur deux semaines, il faudrait que j'y rejoue un petit peu. Et vendredi on verra, soit Football Manager, soit un peu de speedrun, soit Football Manager. Voilà. Et oui, je sais, je l'ai dit deux fois, mais. Pardon. Mais ouais, voilà. Après, j'ai pas d'autres idées donc.
grosse question de ce qui va rester de la saison, c'est est-ce qu'on est capable de continuer sur la lancée qu'on est parti, sur laquelle on est parti. Si oui, voilà. Si je veux partir, je trouverai quelqu'un de mieux. Enfin... Oui, mais ça c'est normal. Quand ça sera fini, ça sera fini. On repassera sur la thread de base et on fera autre chose. On travaillera la défense puis l'attaque potentiellement. Défense plus attaque plus général de physique avec le match de practice, je sais pas, on verra. Ou général, attaque et défense, match practice, on verra. On trouvera. Histoire que les joueurs arrivent à faire quelque chose. Ah, je le connais ça. Je connais ce nom. Donc il est suédois en gros. Donc, cool, mais il y a trop de valeur et... Ouais. Hurle de vitesse et de stamina. Heureusement. Non. Donc je cherche mieux de terrain encore. Oh, on est consistant, tiens. Enfin, irrégulier. Lui, ça pourrait être intéressant. Bah, il fait God. Il a God Borg, logique. Ça pourrait être intéressant. C'est un attaquant. Hein. Il manque un peu de sang-froid, malheureusement. Mais 11 en finition, ça pourrait être super intéressant. Ça peut valoir le coup. Il a 20 ans. Hein. Ça peut valoir le coup pour la prochaine saison, effectivement. Qu'est-ce qu'il voudrait là tout de suite, en temps de jeu? Ah mais il est... Le problème c'est que je peux pas mettre un autre next season. Ouais. Donc rien du tout. Ouais, donc du coup il s'attend pas à jouer beaucoup. Hein. Question. Ah! Que je peux pas directement. Je peux pas directement faire ça. Ah, c'est parce qu'il veut star player, d'accord. Non. Que je peux te faire régulier starter et big fair race, non, ça c'est prévu la saison prochaine. Non, parce que je joue pas en passing for all. Non, ça je veux pas. Important player, problème c'est que. Player important, le truc. Ah.
What if je dis, allez, allez, regular starter, et après, je dis important, parce qu'on a le temps, parce que je pourrai re-signer les contrats plus tard. Non, mais... on passera à temps là. Par contre, 300, t'as vu un meuf. Ouais, je viens de donner un peu plus sur la signature, mais... ça, tu me dégages ça. Dégage tout. Si là, la saison prochaine, ça, je peux me laisser tranquille. Allez. On va lui donner 4 salaires à peu près. Et il touche 20 goals. Il veut 350, hein, il insiste. Hein. 25? 25? 300? D'accord, c'est ce que je voulais. Même si tu vas me coûter cher, c'est ce que je voulais. Voilà. Fullback. À Godborg, on va pas aller le vendre. De toute façon, il est pas régulé. On va pas aller voler tout à Godborg non plus. Il aime pas les gros matchs, ça c'est bien dommage. Moi je cherche pas des joueurs pour l'instant pour ça. 5 en accélération. Je sais, on peut avoir ce joueur là, c'est pas mal, il est pas si mauvais que ça, il a le talent pour au moins jouer la ligue dessus et donc ça. Ça fait que notamment on va se séparer de Bugva et esquiver la re-signature du loan en fait. Bien vu ça. Bah, du coup on va juste le mettre sur la liste. Hein. Transfert target. Ah oui, déjà dans la shortlist, cool. Ok. Bon du coup on l'aura pas. Mais c'est pas grave. Ah, je lui demanderai pas de rester, il fait ce qu'il veut. S'il me faut un assist manager, bon. J'irai en chercher un autre. Peut-être qu'il y aura un mieux qui demandera pas grand chose. Et s'il est mieux, ben on aura une meilleure qualité à l'entraînement, donc on aura des meilleurs joueurs, donc voilà, et puis la saison prochaine, quand on va faire les matchs amicaux, ça jouera peut-être un peu mieux, il y aura peut-être un peu plus de motivation, on aura peut-être un peu plus de tout, hein, on sera peut-être un peu mieux partout. Voilà. J'ai pas fait gaffe, Karl Skrona, il joue contre... ah, il joue contre les mecs qui sont dans les rouges. Chiant. Il tourne Ad Vitaberg. Il tourne aussi. Alors... pénible les gens. Pourquoi vous jouez tous contre les derniers alors que moi je me tape le cinquième là. C'est pas gentil. Donc on a fini avec Bugva, hein. Il a pas fait un grand match tout à l'heure mais... mais on va continuer avec Bugva. Voilà. Il m'a demandé du temps de jeu, on va lui mettre un peu de temps de jeu. Il a intérêt à se bouger les fesses devant et marquer des buts. J'en connais un derrière. Qui lui, quand il est sur le terrain, il marque des buts. Donc voilà. Donc il intéresse bouger devant. Sinon, je remets l'autre et puis on en parle plus.
Oh shoot. J'en ai un qui est blessé. Est-ce qu'il va pouvoir continuer pour l'instant? S'il peut remonter assez vite. Ok, s'il peut remonter. Je disais s'il peut remonter assez vite, on va y arriver. Là, là, lui passe. Heureusement qu'on a travaillé à circulation de balles à l'entraînement. Ça se voit pas. Oh, ça devrait aller. On va pouvoir continuer le match. S'il faut, je sortirai à la mi-temps. Mais... ça ira. Créatif, notre tête n'a rien vu à un moment. On a plus ou moins le dessus, il faudrait en profiter. Bon. Il se passe rien, comme d'habitude, comme tout à l'heure. Hein. Première mi-temps, un jeté à la poubelle. Et deux matchs l'un derrière l'autre, il s'est pas rien passé en première mi-temps. J'ai oublié d'enregistrer le match. Oh tant pis, c'est pas grave. Je le récupérerai sur le stream. Je savais que j'oubliais un truc, j'ai oublié d'activer l'enregistrement à côté. Oh, c'est pas grave. Vu que je récupère le stream de toute manière, je vais me le noter. Je vais récupérer le match comme ça. Là, je commence vraiment à vraiment m'énerver. Oui, oui, mais c'est toi qui as un vrai coup. Voilà, sans ce truc et n'importe quoi, un jaune il sort. 70e déjà. Ouais, on va garder un changement. Surveillez la note de Bugva qui est à 6,4, il fait toujours rien. Putain, mais c'est pas vrai, il me demande de jouer, il fait que de la merde. Des matchs, il a toujours rien fait. Pas mis de but, il a pas joué comme il faut, rien. Voilà. Il a la traîne, il a 25 km de là où il faut. Bon, but de Bubongo pour le match, c'est bien. Au moins on gagne le match. C'est sûr que c'est pas grâce à lui. Alors... oh, on va faire un doublé. De bon goût. Ouais. C'est toujours 4 points d'écart. Ça va. Ouais, on va les congratulate quand même. Parce qu'ils sont pas mauvais, ils ont fait un bon match quoi. Contrairement, ça commence à fatiguer, dis donc. 63%. Je sais pas si il a pris un coup ou. Si t'es en pleine forme jusqu'à maintenant. On sait qu'il est en dessous de tout le monde. Niveau forme. Je sais pas. Enfin bon, on a gagné. Limite, mais on a gagné. Bon, c'est déjà ça. Contre Bugva, ça fait deux matchs qui sortent, que je le sors, il sort à 6,40. Hein. Si il aura plus de temps, il va falloir qu'il se bouge le fesse. Hein. Je laisse le troisième match pour m'impressionner. S'il veut...
vraiment joué. Tu veux vraiment jouer, on va pas. Je vais pas être très gentil avec lui. Crazy Flute, je sais plus qui c'est qu'il faut. Ouais, Johnson. Et toi, est-ce que je peux faire un truc au niveau de l'entraînement? Peut-être pas. Bon, il n'y a pas de réhab parce que c'est pas une grosse. Ah! C'est pas une grosse. Blessure non plus. Pas de réhab. Donc bon voilà. Donc on a gagné 1-0. Limite, on a quand gagné. Déjà ça. Dire bonjour à Moubot et à YouTube aussi. C'est rare que les streams vont directement sur YouTube, évidemment, et que normalement. Oh, ouf. Ah oui. Je vais dire c'est pas grave. Ah oui. Donc je stream directement sur YouTube. Et que normalement. Et là j'ai oublié d'enregistrer le match tout à l'heure, mais c'est pas grave, je le récupérerai. Normalement j'enregistre les matchs et je fais une vidéo résumé du stream. Pour que vous ayez moins à regarder. Si je stream genre 2h30, 3h. Ça fait long, je sais. Donc je suis gentil, je capture les matchs. Et si genre par exemple j'ai un joueur qui signe, qui est très bon, ben, je prendrai un petit clip et je le rajouterai à la fin. Sinon ouais. Je fais des résumés des matchs et des streams de Football Manager, pas des autres matchs. Pas des autres matchs, n'importe quoi. Des autres streams pas des autres streams parce que Lindom. C'est pas ce que j'avais demandé. Hein. Le Anderson qui est sur le banc, c'est pas le temps de jeu que j'avais. Hein. Donc, quand j'ai négocié le temps de jeu, c'était Impact Sub, voilà. Et Impact Sub. Mes excuses, Seigneur, mais pour moi, Impact Sub, c'est de temps en temps il rentre. C'est pas, il va pas rentrer à tous les matchs. Hein. Ah d'accord, il va jouer le prochain match, il rentrera à la fin du match. On est parti, ça y est. Ah oui. Ah, il va falloir un U19, un manager U19, ok. Bon, je vais aller chercher ça. Je pensais que c'était mon assistant qui était parti. Ok, donc les 19 font pas de manager, c'est ça que je comprends. Hmm.
Ah oui, c'est après. Ah. Oui, ce serait intéressant, faudrait juste voir... Nantone. Oh. Sur un 17 en adaptation, okay. Motivation 9. Ah, il sera déjà mieux que l'autre. Alors... Dis-moi que tu vas pas me demander 3000 euros. Ah purée, 520. Je peux pas les proposer 520, c'est ça le problème. Il veut pas aller plus loin que 3 mois. Dommage, je peux pas leur proposer plus de 140. En plus, ils demandent 3 mois. Non. Je veux que je puisse l'avoir pendant un petit moment. Ah bah oui, mais si tu demandes, c'est 3 mois aussi. Ah d'accord, c'est restreint par le club. Ok. Restreint par le club parce qu'il pense que c'est pas bon. D'accord, donc on n'est pas assez bon pour avoir un manager U19. Oui, enfin, si j'arrive à choper ce manager là, U19 ça sera n'importe quoi. Niveau des matchs, niveau de développement et tout. Il faudrait que j'arrive à le refaire signer après quoi. S'il signe, il faudrait que j'arrive à le re-signer ensuite. Pour le renouveler, parce qu'il est pas si mauvais que ça. Au niveau des stats. Il a 13 je crois, management des jeunes, donc. Arrête nous. Mais il a d'autres stats qui sont vraiment bonnes, niveau motivation et tout. Donc ça peut aider. J'ai pas regardé la personnalité qu'il avait, mais... Déjà il aidera le 18 un petit peu. Un petit moment. Alors le chat, c'est quoi votre jeu du moment? À quoi vous jouez si vous jouez? Ok. Autre mode, hein, d'autres 8, c'est plus de la moitié des matchs qui ont eu lieu là quand même. Hey, hey, hey. 17, ouais, c'est à peu près la moitié. 50% alors que ça n'a pas que sub, enfin, mec, je veux bien que tu le rappelles, mais. Bon, pas bah, il y a des fois. Ouais, mets tes joueurs en prêt. Et des fois ils jouent pas, les mecs ils vont dire oui mais ils jouent assez. Non, ils jouent pas assez. Et eux, tu fais rentrer le joueur en cours de match plusieurs fois. Et les mecs ils disent ouais mais non, ils jouent pas assez. Sérieux. Ah, il a joué 8 des 17 matchs qu'on a joué. Il est à la moitié du nombre de matchs qu'il a joué. S'il m'avait laissé un match de plus, il jouait un match de plus, il était à 50% des matchs.
C'est stupide complètement ce qu'il me dit. Il aurait pas été titulaire, mais il serait rentré en cours de match plutôt qu'Alas. Voilà. Ah bah non, il reste que j'ai Alas et c'est tout. Enfin non, j'en ai d'autres derrière, des attaquants. Voilà quoi, je comprends. Il te rappelle un impact sub alors que le mec il est rentré 8-9 fois sur le terrain déjà. C'est stupide. S'attendait à quoi qu'il allait être titulaire régulier, mec? J'ai négocié le contrat du prêt. Le contrat du prêt, c'était impact sub, pas titulaire régulier. Impact sub, t'es pas obligé de le faire jouer. Enfin, si t'as besoin de changer autre chose à côté, tu vas changer autre chose à côté. Le joueur, il rentre pas. Si on avait décidé sur le contrat que c'était titulaire régulier, oui, qu'il me le rappelle parce qu'il joue pas, je suis d'accord. Enfin, c'est pas grave. De toute façon, j'en ai plein sur le banc des attaquants. J'en ai plein en réserve des attaquants, etc. Au pire, je demanderai à un U18 de monter, c'est pas gênant. Donc, du coup, ouais. C'est à la fois embêtant, mais. Ouf. S'en fout un peu, c'est pas gênant. Mais donc ouais. Je vais changer de club, non, pas pour le moment. J'ai eu deux autres clubs qui m'ont demandé, mais j'avais pas envie. Je crois qu'il y a eux là qui m'ont demandé, mais ils étaient dans la même ligue, donc aucun intérêt. Je crois que le deuxième est juste sur la ligue d'au-dessus, ils étaient dans les derniers, pareil, aucun intérêt. Oui, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Il a qu'une étoile par contre. Il est un peu juste physiquement, je trouve. 8-8. Ouais, 8-8. J'allais dire pardon, non, pas 8-8. Bah si, 8-8. Il est un peu limite, je trouve. 7 en tacle, faudrait lui faire travailler le physique et le tacle. Pourquoi pas, parce qu'après il est pas si mauvais que ça, d'ailleurs il a une bonne déter et un bon natural fitness, donc il sera pas mauvais, hein. Honnêtement. Mais ouais, il est un peu limite. Parfait. Voilà, j'ai mon truc délire. Le problème, c'est qu'il va falloir que je renégocie le contrat dans 3 mois. Parce que le board, il aime pas. Il veut pas. Mais on a notre manager de U19. Qui est honnêtement, de ce que j'ai vu, pas super mauvais. Hein. Et même, c'est même tout le contraire. Reste une semaine. Ok. Il reste 2 semaines. Mon skill. Irrégulier. Il aime pas les grands, les matchs importants. Son 25 ans m'intéresse pas, mais. J'ai même pas regardé les stats, j'ai pas besoin. Je voudrais regarder un truc. Ouais, voilà, les stats du gars. Il va aller travailler en U19. Il a 13 ans en travail avec les jeunes. Et après, bon, il est pas terrible en motivation, malheureusement, mais. Il est surtout, il a une bonne déter et une bonne discipline, donc il est pas super mauvais non plus. 4, 2, 2, 2, DM, 1. C'est presque ma deuxième tactique, sauf que c'est pas DM, c'est juste un MC. Voilà, la tactique est là.
Oui, 10-4-2-4, mais c'est pas. C'est la même... En fait, c'est la même tactique. Sauf que ces deux-là sont un peu plus bas. C'est tout. Donc, ouais. On va jouer avec la deuxième tactique, sinon. Après ce match-là, on regarde pour Bulga. On regarde ce qu'il nous a sorti sur les trois prochains, les trois matchs qu'il a joué. Et puis on verra. Mais pour l'instant, il a fait 6-4-6-4, donc pas terrible. Il a pas mis un but, donc bon. Mais bon, il est pas physiquement, il est pas à fond encore. Oh, ok, il est pas affûté, donc vu qu'il est pas affûté, je comprends. Mais mais voilà quoi. C'est pas terrible 6-4, 6-4. C'est un tel. Il n'y a jamais de le tennis. Ouais, bon. 6-4, 6-4. Il a fini mon bon jeu avec sa réelle, non, pas encore. Et c'est mon bon jeu qui joue là ? On revient. Oui, non, ça se joue. On revient dessus. Et attends, on va faire start Gulli un petit peu. On va lui redonner sa chance à Gulli un petit peu. Même si Mubongo me fait des gros matchs, hein. Il est encore en réhab. Ça me fait penser. Combien de temps il reste de réhab? Il va pas rester pendant 100 ans en réhab quand même. Je peux plus sectionner, ok, donc je peux l'enlever. De quoi il aurait besoin? Physiquement rien, donc ça va. Bah des passes, ouais, faut qu'il travaille ses passes. Allez go, boop, travaille moi ça. Mais ouais, voilà. On est parti pour le troisième match du stream face à Linköping à l'extérieur. Linköping, ils sont derniers. Je crois qu'ils ont marqué genre 3 points. Non, bon. Il ne doit pas y avoir de problème pour gagner. Enfin, on dit ça, c'est passé un truc comme ça, on a pris 3-0, donc... Enfin, on a pris 3-1, donc... Hein. On va éviter de penser ça, voilà, exactement pour ça, parce que ça prenait des cartons jaunes de partout. Donc... Se méfier. Gulli qui nous fait une petite action, c'est bien. Il joue à 3 dans la surface. Enfin, il joue en 4-3-3. Donc ouais. Se méfier. Parce que nous on a vraiment du mal en ce moment. Carlos Krona qui gagne quoi. Ça me fatigue. Non, faut qu'on gagne nous. Non. Il se passe plus rien là. Ils sont trois à l'attaque, je trouve, les autres en face. 8 tirs, 4 cadrés, nous on a rien.
Non, Yann est considéré comme un défenseur? Non, ok. Et vas-y, lose confidence, lol. Il sort pas des gros matchs, hein, Hugo. Et il veut jouer plus souvent, eh ben. Heureusement qu'il y a hors-jeu. Heureusement. Encore une fois, un coup de pied arrêté. Et... vu qu'on peut pas les travailler à l'entraînement, mais forcément, on mange sur les coups de pied arrêté, quoi. Putain, mes bugs vaches, je vais le sortir, j'en peux plus. Ils sont tous hors jeu. Il me sortit cette balle. Ça commence ces cartons. Quand on fait pas un bon match, on l'aura. Putain. Des cartons. Y a pas une action. On dort. Pfff. Ouais, t'es complacent, tu sors. Je suis pas de mieux terrain. Ah si. Johansson. Yann, je vais juste lui dire de se calmer. Sur tactique. La barre qui veut juste pas que le ballon rentre. Et après on aura le ballon à l'adversaire. Ça je comprendrai jamais. C'est Alm. C'est déjà marqué. Ok. C'est quoi le défenseur là? Pourquoi t'es resté à 300 mètres là, de l'adversaire? D'aller le couper? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, à la montre nous tu joues quelque chose. Ah, ah bah voilà! Pas Bugva qui aurait mis la passe là-dessus. But de Sandström sur une passe de Camilo Alas, évidemment, un incontournable Alas, quand il rentre, il fait des actions, et il permet de marquer des buts. Voilà, tout simplement. C'est impressionnant de voir ça, quoi. Change un joueur, ça marche mieux. Rien pour éviter le rouge en fin de match. Est-ce qu'on laisse en attaque? Non, on va repasser en positif, tranquillement. Aïe, aïe, aïe. Puis alors lui, il a... Lui, par contre, il a un trou énorme pour adaguer. Il a la place de 20 camions pour frapper, mais c'est vrai, les joueurs, ils font rien. On fait un partout, c'est contre perf. Ouais, mais de toute façon, quand on voit les stats, c'est contre perf. Et ouais. Mais on aurait dû gagner ce match. 100 fois, on aurait dû gagner. Disappointing. Okay. C'est ce que j'allais dire. Wasn't good enough. Oh bah, Bugva, t'es nul. Nul sur 20. Après, je veux bien le faire jouer, mais bon. Faut qu'il montre qu'il veut jouer aussi. Non, je crois 6-4, 6-4, 6-5, ça va au bout d'un moment.
s'accrocher. Même Alas qui joue 10 minutes par match depuis que lui il est sur le terrain en titulaire, il a des meilleures notes. Oh good, j'ai pas un seul latéral au prochain match. Magnifique. Bon voilà. Bon toi par contre, tu vois, je t'ai fait jouer 3 matchs. Pardon, 4. Tu as 4 matchs. 6, 6, 6, 4, 6, 4, 6, 4. Et ouais, mais c'est comme ça, le joueur veut pas jouer, bah tant pis pour lui. Non, je joue pas au bon endroit pour le tour. Match. Wow. Je coupe le deuxième match du stream. J'exporte une première fois. Bah ok d'accord, je vais pas dire non. Ouais. S'il y a 0 en plus au niveau du contrat, c'est très bien. C'est vrai qu'un joueur de plus qu'il faudra faire jouer de temps en temps. Oui, ce qu'on voulait regarder, c'était pas les stats du mec que j'ai engagé. C'était sa personnalité. Plutôt déterminé. Ouais. Pour être mieux. Déjà bien. Bon, regardez, sur une certaine lancée, j'ai pas fait gaffe. Clean sheet, oui. Il a fait 11 clean sheet. Sur 19 matchs, 20. Pas mal. Ah, il a fait 11 clean sheet. Sachant qu'il y a 6 nuls et 3 défaites, ouais, c'est ça, c'est sur 20 matchs. Le trouvail a plus de 50% de clutch hit, ce qui est très bien. Il est pas mauvais, hein, le gars. Hein. Franchement, je l'ai bien choisi. Et il prend souvent des buts, mais bon. Et comme on l'a vu la dernière fois, là, sur le dernier match, il prend des fois il prend des buts sur coup de pied arrêté. Mais c'est normal, c'est des coups de pied arrêté. Ça va rebondir partout. Il va y avoir un joueur qui va traîner. Pouf, paf. Yay! I am happy. On a gagné 4 matchs de suite 1-0. C'est...
c'est fort quand même. Pour la plus petite démarche, mais ça suffit, hein. Donc on est bon. Ok, je suis content. Et après, comme je disais, forcément, c'est pas notre but de se promouvoir, d'être promu. Et toujours bien de se maintenir avec la manière. C'est tout pareil. Hein. Ils sont un petit peu déçus du 1 partout, mais bon. Ouais, le problème c'est qu'il va prendre que 3. Il a que 3 mois de contrat. Il va bien falloir qu'il renégocie, hein, sinon il va repartir. Ce qui est dommage, parce qu'il n'est pas si mauvais que ça. Bon, après, il manque. Il manque de la motivation, malheureusement, mais bon. Avec un tout petit peu plus de motivation. Un peu plus de capacité à motiver, c'est un très bon. C'est un très, 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 très bon. Mais je peux pas leur faire faire. Je peux pas leur faire faire aussi. Enfin, je. Le board peut pas leur faire faire parce qu'ils peuvent. Ils veulent pas me payer ma formation à moi. Parce qu'il y a pas assez d'argent. Donc pourquoi eux ils pourraient pas moi? Ça n'a aucun sens. Donc pour l'instant on est un peu bloqué pour les formations, tant pis. T'attendras. Le club est un peu plus d'argent, c'est tout. Et ben un jour je vais proposer au club par hasard pendant le transfert. Non, mais bien. Je crois que si, j'ai oublié complètement. Un autre joueur il a qu'à essayer de faire lui-même de l'intérêt pour les autres clubs. Merde, Freddy. Tu veux partir, eh bien vas-y, va voir avec les autres clubs. J'ai regardé si effectivement j'ai pas quelqu'un à proposer. Donc oui. On est presque bon. On serait presque en deuxième div. Presque. Et il nous reste quand même. Il reste quand même pas mal de matchs. Encore. Mais... On serait presque en deuxième div. Bon voilà quoi. Je vous rappelle chers amis du chat que si vous parlez anglais, vous pouvez aussi me poser des questions. Hein? If you speak English, you can ask questions. I can answer them. As long as I want to answer them. Depends on what the question is. Sinon, voilà.
Je dis, je le redis, mais pourquoi le jeu est en anglais, c'est justement pour les gens qui regardent et qui parlent en anglais. Parce que moi, je sais comment je fais, donc je sais ce qu'il faut que je regarde. Donc... Ok. Est-ce qu'il me dit il va mettre Julius Lindbergh devant, ouais. Et voilà, tu vois, je veux faire jouer Gulli, il me dit non, tu mets Gulli. Bah oui, c'est logique, il est bien meilleur. Quand ce start marine, ah mais c'est lui qui demande à partir. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup d'attaquants derrière, enfin, pas beaucoup. je crois que j'en ai un qui est blessé d'ailleurs. Tenson mériterait parce qu'il claque pas mal. Hein. Encore que 9, 8, 6, Rai. Il est pas terrible. Magnusson. Ah, Magnusson est déjà mieux. Bon, ouais, 8 en finition. 4 en sang-froid, wow. Et bon, physiquement, il est mieux. Donc lui serait pas trop mauvais non plus. Donc pourquoi pas Magnusson de côté, et puis Van Bulger, hein. Tant pis, tant pis. Magnusson, en attendant de recruter un autre attaquant qui est meilleur. Yuki. Tu veux partir? Ok. Good. You know what? Non. Faire to clubs. Je monte 500. Le seul truc que je vais dire, c'est... Nah. Hop là. Quoi? Il était en train de demander à partir. Pourquoi pas? Moi là s'il me mettait BI, il met but sur but et puis il fait des passes D. Le big va faire rien. T'en prends le joueur qui fait quelque chose, non? Enfin. Voilà, et puis pour le petit jeune, c'est juste parce que voilà. Il sera pas trop mauvais, je pense. C'est combien, c'est 425? 450. Hop, hop. Il fait son boulot en advance forward de l'os. Donc le fait qu'il n'est pas forcément pour ce... Il n'est pas vraiment bon pour ce poste-là. Ah génial, j'ai plus aucun joueur. Ok, bon. Tant pis, tant pis. T'es pas blessé toi? Tu veux pas que je te mette en rééduque par hasard? Trop tard. Bon, les lignes de... Ouais, peut-être c'est bûcher les fesses, c'est marqué plus qu'un but, non? Oh, come on!
Je vais pas lui demander d'aller voir les clubs. Tant pis. Il dit bouge tes fesses si tu veux bouger. Combien de matchs ça fait? On est là, 5. Et généralement je m'arrête à 5 matchs. Ça fait une bonne longueur de vidéo avec le résumé. Donc... Enfin, ça fait une bonne longueur de vidéo pour le résumé. Donc on va arrêter après celui-là. Et c'est parti pour le dernier match du stream contre Lindom à domicile. Il faut gagner. Et pour un changement, 0 Bugler en attaque. On a Alas directement. Marché. Oh, et Bugva est parti en mode je vais te mettre en transfert, donc en espérant qu'il y ait des clubs qui veuillent. Oh, et ça commence. Oh, qu'est-ce qu'il me dit? Il n'y a pas de blessure, qu'est-ce qu'il me raconte? À la surface de David Segar, le premier but de la saison de sa part. 15e minute 1-0. Les deux Segar, Albin et David. Oups, pardon. Oh oh oh, fouf, fouf, la double reprise de Segar. De Alas Segar, n'importe quoi. Segar qui a fait le centre. Tête de Alas repoussée, frappe de Alas repoussée. Le tenter deux fois. Déjà bien. Fait son taf. Attendez. On aimerait bien que Karlskrona se ramasse. Pour l'instant, il y a 2-1 pour eux, donc gamin. On est en train de casser le Young's Kilo au passage aussi. Ah bah. Boum aussi. Exactement le même but. C'est l'autre Seger qui marque. Albin. Son premier but de la saison également. Mais c'est exactement le même but que tout à l'heure. Hein. Pas exactement, non. Pas pour les passes, mais pour la distance de frappe, ouais, c'est le même. Kaboum. Le gardien s'en est pris deux à distance. Ouais. Parfait. Pas besoin de leur dire grand chose. Et on voit pourquoi Lindon est pas dernier, ils sont dixièmes. Je vois pas pourquoi j'ai ça. Alors, là. Après ils ont un blessé aussi, on en profite un petit peu. Zvum, pouf. C'est bien encore. Ça cherchait. Et là ça cherche loin, mais non, il y avait quelqu'un. Donc Tenachi qui serait passé tranquille. Ah, joli ça. Tu sais qu'elle a là, perd la balle. Dommage. On est presque... on est bon, hein. 2-0 c'est pas mal. On peut continuer comme ça, c'est bien. 3-0 peut-être. Oh, comment tu rates ça toi? T'as oublié trop, t'as trop voulu croiser.
Et voilà. Dommage qu'il soit hors jeu. Mais et voilà, but. Ah là c'est encore là. Bon il marque hors jeu mais il est encore là. Ouais pff, il est hors jeu d'un mètre. Facilement de 2 mètres. D'un ou deux mètres. Il... J'ai pas besoin de leur dire quoi que ce soit, ça se passe très bien comme ça. Je vais juste leur dire de continuer. Let's go. Je vais juste dire à Seger de se calmer un petit peu. Hein. Et si deuxième mi-temps, on repart pour les mêmes choses. Hein. 2-0. Moi je signe toujours. Hein. Il a presque fait le coup parfait encore une fois sur ce stream, on a juste un partout qui fait tâche, et on a fait que des victoires sinon. On tient un bon rythme au niveau du classement, ce qui est intéressant. Boum, à côté, dommage. Ça fait pas un grand match, mais bon. Ça et quoi, on va faire jouer le petit jeune et on va faire rentrer le Bongo aussi. On va surveiller Seger qui normalement doit se calmer. D'ailleurs, oups, j'ai cliqué sur le joueur, pas sur le poste. Je sais pas si ça avait été déjà dit, ouais, c'est bon. Oh dommage! Oh! Bon, on peut lui pardonner. Il est pas aussi bon que Alas, malheureusement, mais. Dommage. Il avait tenté. Ouh, ça devait d'aller par un anneau de 2-3 pour l'instant. Ça revient tranquillement. Et on va en profiter de dernière seconde. On va faire jouer Ring, tu sais. On va faire jouer Hanson à un moment, mais. Bon, on va aller sur Team Instruction. Et c'est tout, le time wasting, je le mettrai à 85e au moins. Pour l'instant, on redescend juste l'équipe. On n'a pas besoin de marquer plus, 2-0 ça ira très bien. Tant qu'on tient le choc au niveau du classement et qu'on perd pas de match, ça ira. Troisième but peut-être. Ce serait bien quand même. Bam. Ouf. Ah, il a tenté. Il a tenté le même coup que ses collègues qui avaient marqué les deux buts. Tiré à mi-distance. Badaboum, ça a fait. Écoutez. 2-0 c'est bien. Voilà, c'est bien ça. Voilà, là on est bon. Allez, dites-moi le chat. Un match de plus ou quoi? Parce qu'on est à 5 matchs, donc pour le résumé c'est bien. Mais... Un match de plus ou pas? Ou est-ce qu'on s'arrête sur le 2-0? On s'arrête là-dessus ou pas? Parce qu'on peut jouer Oscar Shams et Lund et s'arrêter juste au moment de l'auteur en empire. Dans Sandstrom, c'est un peu là, donc on pourrait faire jouer Gulli. Qui veut commencer des matchs, donc on va pouvoir le faire jouer. Hein. Bongo,
Boop. Voilà, mieux. Biafram, qu'est-ce que tu fais là? Sandstrom. Au prochain match, est-ce que je le joue? Bonne question. Et tout va bien. On roule tranquillement sur le. En direction de la fin de saison. 19 matchs sur 30. Ah oui, tiens d'ailleurs. Mais non, ça fait pas 5 avant d'y. Donc il me faut que je joue encore un match, ouais. Ça serait 20 sinon. Encore un match. Du coup, donc il va y avoir un match de coupe peut-être. J'ai pas fait attention. Ah. Ouais, jouer le match contre Oscar Shams. Et... on arrête. Et le prochain stream, qui sera sûrement ou jeudi ou vendredi. Dépendant de ce que je vais faire demain. Ce sera juste City Skyline et Football Manager dans la semaine. Et la semaine prochaine aussi. Mais toujours est-il que, ouais, on verra. Lors du prochain stream. Il semblait qu'on était à 4, à 5 matchs. Moi qui a mal compté, là. On s'appelle. Que moi qui a mal compté parce qu'on a dû on avait fini la phase aller et du coup on était à 15 matchs au début du stream. Ouais, sans doute moi qui a mal compté. Bah vous avez un match de plus du coup. Et retirer. Non, vous avez un match de plus. Ah oui, le match contre les avant-derniers du classement. Oscar Shams. Ah oui, tiens, la Ligue 1. Voilà, j'avais oublié. On peut parler de la Ligue 1 si vous voulez. C'était... C'est triste hein, de voir des équipes comme Bordeaux t'es... être dans les derniers. C'est très très triste. C'est très très triste. Malheureusement, on peut pas y faire grand chose. Bordeaux est juste... juste en reconstruction actuellement et ils peuvent pas non plus gagner tous leurs matchs. Ils peuvent pas... ils peuvent pas tout claquer. Après, est-ce qu'ils sont vraiment loin au niveau du nombre de points de la place qui leur éviterait la relégation? Je pense pas. Il me semble pas. On va vérifier. Non. Non, par contre, ça va être compliqué cette année en bas du classement. Parce qu'il n'y a pas une seule équipe qui a genre 5 ou 6 points. C'est 22, 22, 22, 22, 24, 28.
Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Là. Le dernier qui a plus de 20 points. Généralement, il y a toujours une équipe qui a genre 10, 12 points, qui est forcément dernière. Et ils sont 4 à se battre à 22 points. Là. Ça va être beau. Après, on peut reparler du match de Marseille contre Clermont, qui en prennent 2 dans la tronche. Ça, c'était la semaine dernière. Mais ils sont sérieux et ils veulent essayer de gagner la Ligue Europa, les Marseillais. Enfin, j'ai l'air. J'aime bien Clermont, hein. J'habite juste à côté, c'est une équipe sympa qui vient de monter. Merde quoi. Vraiment, ils perdent 2-0 contre Clermont. Why? Et bon voilà quoi. Et on est quand même pas mauvais en Europe avec les clubs français. Je crois qu'ils sont tous passés à part un, je me semble. Faudrait que j'en revérifie, mais. Quand je dis ils sont tous passés, ils sont tous passés ou reversés dans une compétition plus basse. Ils sont tous encore potentiellement corrects. Eh ben, on a un joueur qui est demandé. C'est pas rire, mais c'est pas rire. C'est pas rare, mais bon. Big guys. Ok. Honnêtement, j'aurais été intéressé par ça. Que j'ai 160 ou pas, je m'en fous, c'est pas important. Mais reprendre un K6, ça aurait été sympa. Mais bon. Tant pis. Et Trailboards. On avait un friendly. En espérant que le friendly, genre, je peux le faire la saison prochaine et puis que je puisse gagner de l'argent dessus. Dommage. Non, à ce joueur là en particulier, là sur le dernier jour des transferts, non. Ah. What? Ah ouais d'accord. C'est qui? C'est Basterès qui arrive avec 5000 à Bayon. Un 5000 total avec les trucs ou... Ah non, d'accord. Attends. Stéréo, ça fait une offre de 8250. Ouais. Peut être évalué à 9007, dépendant de ce qu'il fait. Ok. Non, ça fait 7000 piles. Pourquoi j'ai ce marqué 5007? Bref, qu'ils ont accepté ça, c'est bon, par exemple, on m'en fiche. C'est pas forcément un joueur que je voulais vendre, mais machin, mais c'est pas trop grave. Ah, on gagne 8000, c'est bien, sur un joueur.
Et bon, le Bugwerk n'a pas été vendu. En même temps, j'ai demandé d'aller voir des clubs et il me fait oui, j'y vais. Il est allé, mais j'ai personne qui m'a l'a demandé. Hein. Ring n'était pas un titulaire, c'était pas quelqu'un qui jouait régulièrement en une, donc c'est bon. Il peut sortir, c'est pas... Et puis on se fait 5000 dessus, ah, sur un joueur qui a dû jouer 5 matchs, 5 bouts de match même, d'ailleurs il a pas joué 5 matchs. Même, peut-être il en a peut-être joué qu'un seul, il joue en réserve jusqu'à maintenant, il me semble. Donc allez, disons on s'est fait 7000 balles sur un joueur qu'on a eu gratos quoi, enfin... Ça va, enfin... Pour être pire, hein... Pour être Bugwerk qu'on a eu gratuit qu'on n'arrive pas à vendre, hein. Même pour 500. C'est cool quand même, récupérer 7 à 8000 euros sur un transfert, c'est bien. À mon avis, ils le feront pas jouer. S'ils ont justement mis le truc 10 apparitions en championnat, ils me doivent 1005 en plus. À mon avis, ils le feront pas. Après, je peux me tromper, ça se trouve, ils... Ça se trouve, ils ont vu quelque chose qui était très bon sur le joueur et excellent même sur le joueur et qu'ils vont faire jouer. Et si c'est le cas, je gagne 1005 en plus. Donc voilà. Et s'ils doivent le revendre après, je gagne 30% dessus. Donc... Dépendant de combien il est vendu, ça peut me faire de l'argent. Non, pas bouger. De toute façon, t'es dans la même, t'es dans le même pool que moi. Je vais pas aller chez toi. Si je te ménage 8 en finition, bon après c'est bon, c'est un ailier, je peux m'en servir. 13, ah mais 2k, il faut compenser le truc, il a pas de stamina. Et tu sais quoi, oups, allez hop, on va scout, on va voir, mais ça marchera pas, c'est pas un bon joueur pour moi. J'ai pas fait gaffe. Unfollow all. Non, c'est pas ça. C'est quoi l'entraînement? Oui, il y avait pas un bon. Se les faire à la main, ça va m'embêter là. Les faire un par un.
fait j'en ai félicité directement. Pas un bouton genre féliciter. Ce serait gentil. Et crier sur ceux qui sont dans le rouge. En bas. Bon, tant pis. C'est pas grave. C'est bien. T'as été bon, toi. T'es revenu de blessure déjà. Je peux te mettre sur le banc. Je viens de jouer un petit peu. What? Il est où? Il est en réserve réserve? Ah non, il est là. Viens, je te ferais peut-être jouer sur le côté, toi, par contre. On va te féliciter un petit peu. Il est très bon à l'entraînement, essaye de le faire mieux. Un minimum. Ah non, pas où? Ah non, pas où? Pas chez moi. Allez. Oscar Chams. Ça, j'ai eu 19, ça. Ouais. C'est moi qui ai mal gandé. Maybe. J'avais à compter. Donc on s'arrête juste avant le Mimsa. Je sais bien s'il me semble. J'aurais vérifié le calendrier parce qu'il me semblait que j'avais peut-être planté le nombre de matchs, mais non, c'est ça. On est à 5 par 5 par stream, c'est bien, c'est une bonne avancée. C'est bien. Après on risque d'avoir la Copa qui va popper, qui va nous décaler la saison, potentiellement, peut-être pas. Ouais, sûrement que la nous décalera pas la saison. Et ben, I have a petit ID. Oh, téléphone. Je, s'il te plaît. Peux-tu te bouger le fion? Et c'est parti pour le dernier match du stream. Oscar Chams face à Bromola, donc face à lui. J'espère qu'on va gagner. Il fait une excellente série, mais très très bonne. Avec un quadruplé de 1-0, 1 partout puis 2-0. On n'est pas. Enfin. Quadruplé d'un 0, le 1-0 c'était le dernier. Le premier 1-0 c'est celui du stream dernier. Mais... Le dernier... Oui, du stream dernier. Donc du coup on est sur un triplé de 1-0 et un partout. Non. Oh ça marche. Je sais plus, bref. On est sur une série, une très bonne série. Donc il faut pas se planter là-dessus. Et je vais déjà demander de leur être créatif parce que 20ème minute, il se passe rien. Il y a un tir, zéro cadré, c'est rien passé. Mais rien, vraiment, ils ont même pas essayé. Oh yes, Loons qui mène à 0. Ah, la bonne nouvelle. Enfin, je crois que c'est une bonne nouvelle. Je sais pas contre qui il joue, il me semble que c'est Karskrona qui est en face.
J'allais dire, c'est dommage, c'est pas passé. Oh, la frappe. Pourquoi tu frappes, monsieur? Ah, mercredi. Chaque fois, je me fais avoir. Non, pas prise. Creative. Be creative. 5 tirs, 0 cadré. Dans ce... dans... alors que dans le cas adverse, c'est 2 tirs de cadré. Hein. Nous, on manque de précision, là, hein, tout de suite. Hein. Allez, quoi, il y a mieux. Faut mieux faire. Super mauvais non plus, hein. Il y en a un qui a 6,40, tout le reste est au-dessus de 6,50, donc ça. Mais il faudrait qu'il marque un but à un moment quand même. Non, on n'a pas joué de ballon dans la surface. Parce qu'on peut tirer, ça tire régulièrement d'assez loin. Donc... non mais... t'as quelqu'un devant toi, pourquoi tu fais ça? Ah, c'est ça, on n'a pas work ball into the box. Hein. On n'a pas ça. Ma question c'est, est-ce que ça vaut le coup de le mettre ou pas? C'est une montée en bonus. On pousse, hein, on n'a pas le choix, faut qu'on gagne là. Parce que on est à 41 points. Il y a 41-41 là tout de suite. Ça, mes joueurs le savent pas, mais moi oui. Ok. Afrem ne fait pas son match. Pour l'instant, c'est tout. On va observer. Merci, Trollatan. C'est gentil d'égaliser. Parce que nous, on est en train de dormir. Là. Non, non, pas de bête pour vous, les gars. N'insistez pas. Transition dernière. Voilà, comme ça on récupère la balle. Devant, devant, devant. Je sais pas si pour jeu. Si, non, corner. Bon. Oh les corners. Mais pourquoi tu touches la balle? Là, ça fait pas son match. 10-40, il est pas terminé tout de suite. Pourquoi les deux élus font ce qu'il faut, hein. C'est juste que là, ça a pas l'air en forme aujourd'hui. Tant pis. On va pas faire un vieux 0-0, les gars. Come on. J'ai fait que deux changements, mais on s'en fout. Pas le détail. Désolé pour le bruit. Ah, c'est un vieux 0-0, quoi. Non mais non, enfin, c'est pas le moment de faire 0-0 et de s'écrouler là. On a la chance que Karlskrona se soit fait accrocher aussi, mais quand même.
c'est vraiment pas le moment de faire 0-0. Hein. Bon, tant pis. Contre qui on doit gagner là? Big Dom, donc ça c'est fait, je crois. Ouais, 2-0. Young Skiller, on a gagné 1-0. Et Trollhättan. Il faudra gagner contre Trollhättan. Il n'y a pas le choix. Donc, prochain stream. On attaque avec Loons. Et après, on aura sûrement Trollhättan dans la série. Donc, il faudra. Ouais, on l'a, on les a. Donc, prochain match Loons, Thorn, Trollhättan, Almé Boda et Assyriska Turbine. Les deux seuls matchs que je vais surveiller, c'est Thorn et Trollhättan, réellement. J'aurais gagné les deux matchs. En plus, on a domicile sur les deux matchs, donc il n'y a aucune excuse. Et c'est ennuyeux de voir quand même que des fois les joueurs ils font 15 tirs, il n'y en a aucun qui rentre. Enfin, c'est pénible. Mais ça vient du fait que j'ai pas assez d'entraînement dans la semaine. Ce qui fait que je peux pas travailler, genre par exemple la finition, je peux pas tout travailler ce que je voudrais en fait. Et donc du coup je suis obligé de me concentrer sur autre chose, ce qui fait que des fois la finition est terrible devant les buts. C'est affolant de voir ça, c'est fou de voir ça. Ouais. Ah, ils sont là. Oui. Le vieux 0-0 des familles. Le 0-0 de Ligue 1. Aïe aïe aïe. Le fameux 0-0, il se passe absolument rien de tout le match. Il y a trois occasions, mais il n'y a aucun ballon qui rentre. Enfin bon. Bah voilà, on a fini. Hein. Je vais arrêter là. Bon, voilà, 19 qui fait 4-1. Bravo! Ah bah, ça c'est friendly. Ah, bon. Mais bravo quand même. Oui, d'accord, c'est contre les réserves. Le 19 continue à faire. Il continue à faire des cartons même contre les réserves, c'est fou le 19. Voilà, on peut sauvegarder là. Hey nos copains. Du coup, on va changer un peu la semaine. On va remettre du tactique. Et on va travailler la finition. Parce qu'il y en a marre. Et quand il y en a marre, il y a pas mal à marre. Pas tout le temps, malheureusement. Play from the back. Et on va sauvegarder ici. Et moi je vous dis, c'est la fin du stream, les amis, enfin j'édite la vidéo, enfin je récupère le stream, j'ai pas commencé, que j'édite le stream pour récupérer le match qui me manque, j'ai oublié d'enregistrer le second ou troisième match du stream malheureusement, donc il faut que je récupère depuis le stream, et que je monte la vidéo résumée, et j'uploaderai tout ça en fin de semaine, sûrement samedi, dimanche, à partir de vendredi soir, parce que vendredi restera allumé. Donc vendredi soir, une fois que le stream est fini, j'enverrai tous les streams de la semaine sur YouTube. Et quand YouTube aura fini d'uploader des streams de 2 ou 3 heures, eh bien, j'uploaderai les résumés de matchs qui aussi vont prendre un paquet de temps. Donc ouais, voilà. Bilan du stream. 2 nuls, 3 victoires, ça va.
pourrait être mieux, mais bon. Sachant que les 3 victoires, c'est 1-0, 1-0, 2-0. Ça pourrait être mieux. On commence à manquer de buts, hein, de voir. Ah, mais... Ça viendra. Après, ouais, je les ai bien secoués. Ok. Bien. La fin du stream, messieurs, dames. Bien, bonne soirée. Bonne soirée à vous, les gens. Et puis, espérons que la vie vous soit pas méchante. Oui. Bonne soirée. Allez, filez. Plus.